Et c'est le mieux de tous, bienvenue pour une vidéo Capitaine Shadow. On est en compagnie aujourd'hui de la Tata Scarlett. Salut. 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 Je vous renvoie à cette merde. On va tester donc Rage 2 qui vient de sortir. Quoi? Qui vient de sortir demain. Qui vient de sortir demain. Bien le préciser. Voilà. Bien le préciser, hein, c'est dans ce store là en plus. Et donc on va voir. Déjà juste ça a l'air démon, what the fuck, juste l'image. Déjà j'ai vu que ça avait l'air déjà d'après les trailers et tout, ça a l'air d'être hyper coloré. Un petit côté un peu Far Cry New Dawn. Toi le truc hyper coloré machin et tout. Mais avec des fois des armes un peu plus toi comme à toi à droite un peu plus réaliste quoi. Ouais. Nouvelle partie. On va se mettre en normal. Non facile. Mais si je pouvais je me mets. Très difficile. Non. Il me gueule un peu. C'est ça, c'est ça. Nous devions façonner ce monde. C'est en français les dialogues. Allègrement rasé par la météorite. Non mais tu veux écouter toi peut-être. Écoute la voiture. Nous devions. T'entends un peu de pas aider. Oh merci Makuyu. Makuyu. Merci. Bah merci pour ton host avec 7 viewers, merci beaucoup. On vient juste de lancer le live. C'est juste ce qu'il fallait. Vraiment honnêtement, on vient juste de lancer le live, ça fait même pas 2 minutes que le live est lancé. Hein. Tu veux pas aller chercher la tablette et la boîte du jeu? Oh le regard noir qui lance. Carrément. En tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à toute ta communauté, c'est super sympa. Ouais parfait, regarde. Faut dire à quel point c'est vraiment pas une connerie hein. Notre monde est mort dans l'œuf. Regarde. À cause de cette 2 minutes 54. On vient de lancer. Le nettoyage de notre espèce affaiblie. Et donc on est parti pour découvrir Rage 2 parce qu'honnêtement j'ai jamais touché encore le jeu pour l'instant. Je viens de le mettre encore, il va juste de finir la mise à jour. Tu m'as attendu. Donc là t'as visé parfait. Bon en tout cas bienvenue à toi sur l'œuf de Katen. Et j'espère que t'as passé un bon live. J'espère que c'est bien passé. Et bienvenue à toute ta communauté bien évidemment. Sachant que j'ai jamais fini le premier je crois. Bah bravo, et tu commences le premier il était en plusieurs CD. Ah. Je crois qu'il était en deux ou trois CD je crois. Je m'en fais un CD spécial pour le multijoueur. Un CD donc pour la campagne, et je crois qu'il y avait deux CD pour la campagne. T'as lui il a une sale gueule par contre. Hein. Oui. Oh mon dieu. Ah ouais, il a vraiment une sale gueule. Ah mais carrément. Ah c'est marrant, ça fait un petit côté Adolf. Tu sais, les nazis, les trucs comme ça, avec le fond rouge. Je sais pas ce qu'il dit, mais ça doit être. Mais en gros, ce soir, on va péter tout le monde, quoi. On va tout péter. Ouais. Notre Cody n'a pas pu être livré de son économie. Quel Cody? Web service. Ouais, après. Ouh, ça part en couille. Ouh, ça part en couille. Ça part dans tous les sens. J'ai deux choses à faire, mais j'ai pas envie. La bouffe. Trois choses à faire. J'étais sûr. Mais j'ai pas envie. Alors, wow, c'est joli. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est que c'est un personnage. Alors, je choisis femme. La femme ou le mec? La femme. Pourquoi? D'habitude. Ouais, t'as vu en première partie. Bon, déjà, ça bouge bien. Ok, réglage top. Qu'est-ce qu'il a vu? Je sais pas. Allez, Walker. T'es flippant le chat. Walker, t'es création de joueur. Ok, pistolet, chargeur, balle, cool. Bah, c'est quoi ça? Oh! Oh! Un bon vieux boomerang qui découpe les têtes. Un boomerang qui revient pas. Putain de bouche. Ouah, sa mère! Coucou copine! Attends, atterris tout le monde. Toi, tu te pousses. Faut être plus rapide que ça, Walker. Lily, c'est un peu la seule chose que j'ai. On a grandi à 7 ans dans l'armée, 23 ans, mécanique, ingénieur, combat, caporal de crapahuteur de Vineland. Ok. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok, alors on fonce dans le tas. Vas-y, fonce dans le tas, pas de problème. Ça sent moi. Maman. Comment on se tire? Je me tire. Là, par contre, la sensibilité, par contre, tant que je m'habitue, manette, sensibilité, X, Y, je sais plus quel des deux c'est, mais enfin, tac, ça c'est bon, par contre, on va peut-être mettre le, hop, aberration chromatique, pas du tout,
par Melchinero, sous-titres activés. Voilà. Ah, c'est bien, t'as même le système pour changer la difficulté en cours au cas où. Ça, c'est bien. Ah, c'était un peu mieux pour moi. J'ai cru que t'allais te louper. Bah, j'ai failli. Honnêtement, j'ai failli me louper en plus. Oh. Oh, ah. Mais c'est quoi cette. Oh. Mais t'es moche. T'as eu chaud. Ça va être dur de garder le compte. Les chiffres, c'est pas mon truc. Mais c'est quoi ces trucs? C'est très moche. Roger, rejoins-nous dans la cour. Tout de suite. On arrive. Lily est avec moi. T'as pas un peu de mal? Un peu. Ils doivent être informés. Ça doit pas rigoler alors. Je viens d'entendre ça à la combox. C'est la plus grosse attaque qu'on ait. Pile à Feltrit. Ramassez les piles Feltrit sur les cadavres ennemis pour régénérer votre santé. Ok. Oh. Ok, ça doit être les trucs bleus alors, ça doit être ça. Ouais, ça. Alors on y va. Ok. Ah, t'en as pas mal en plus. J'ai subi beaucoup de dégâts. Oh. Cherchez une jolie médaille. C'est un peu un truc utilisé pour rien, mais ok. Voilà. Ouais, t'as eu du truc. Oh. Un grand. Grand. Le mec il s'est fait taper la moto, non mais là. Parce qu'il se la pète peut-être un peu. Ah. Bon appétit. Oh. Il lui a arraché la tête. Mais il dit qu'il se la pétait peut-être un peu trop. Oh, partout. Adieu, Ranger. Adieu, Ranger. Il s'en remettra pas avec un pansement. Tu crois? Sans déconner. C'est à moi de jouer maintenant. Pourtant dans l'autre jeu ils ont réussi à le greffer. Mais j'ai plus que son armure. Hein. Il manque la moitié des trucs. Putain, maman va te crucifier pour avoir touché à de l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de chair. Oh, c'est horrible. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais, c'est encore mieux que ce que je pensais. Ah, bah voilà. Oh, c'est joli en tout cas. Yes. Oh bah il est tout nu. Oui, tout nu. C'est pas grave, il verra pas. Ok, je peux faire des glissades. Changer d'arme rapide, ok. C'est pas grave, ok. Non. Je dis c'est pas grave, il verra pas. C'est pas faux. Le chat. J'ai deux choses. Moins 3. J'ai une de ses frères. Ah bon? C'est horrible d'avoir un seul jour de repos. C'est quand que t'as un jour de repos? Mercredi. C'est bête. Après, là ça fera un milieu, ça sera pas mal aussi. Ah, on peut découper une grenade? Oh, la petite tête qui part. Maman a tout fait pour que t'aies jamais enfilé cette armure. Je comprends bien pourquoi. Quoi? T'es jalouse, non? Bah ouais, et pas qu'un peu. J'aurais été la plus jeune ranger de l'histoire. Maintenez LB pour apparaître. Ah, sympa ça. Quand tu maintiens, tu vois les mecs à travers les murs. Gaffe au point de vie. Walker en approche. C'est Scarlett. Eh, hey, c'est nickel les trucs sont apparus. Ouais. Les nouveaux emblèmes. C'est vieux. Bien de ce qu'on a appris à l'académie sur les armures de Ranger. Une fois
chargé, tu peux activer l'overdrive et éjecter tes ennemis. Ça me semble bon. Pas du tout. Oh, pour ressembler, pour pas ressembler, c'est comme pour. Non, c'est marqué Xbox, c'est joueur solo. C'est tout ? Il avait pas écrit Ah ouais, bon, je sais pas, mais j'ai entendu parler d'une coop, donc peut-être un pur mode, hein, tiens. Ouais. Bon, en tout cas, ça se joue bien. C'est fluide, ça passe bien. Honnêtement, non, c'est ça passe pas. Ouais, ça passe pas mal. Oh, elle a une belle balle sur la joue, elle. Elle a perdu un morceau de... Deux. À ce côté. Jersey, il est mort. Ma chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, ranger, modèle, surtout pour Lily. Elle m'a recueillie à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'une orpheline sauvage puisse souhaiter. Walker au rapport, viens là. C'est l'armure de Jersey. Jersey. Ils l'ont tué. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son boulot. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Ok, y a plus de porte. J'ai jamais vu un truc aussi gros. On va pas le rater. Impossible. Hein? Mais je l'ai tué. Le général Cross. Pourquoi tu veux te coller à lui pour être sûr de pas le rater alors que le mec il est en tout son de métal? J'y comprends pas trop le truc. Je veux la première génération. Tuez tout le reste. Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique. Chef maléfique de l'autorité maléfique. Pour faire peur aux pistes comme moi. Je sais pas si Prolet est devenu dingue ou si elle a raison. Mais peu importe. Dans tous les cas, je le laisserai pas faire. C'est le fils de... Reste ici. Je te donne un ordre. Attention. Ah bon, elle s'est accouchée. Oh, le canon qui dit boum. Ça, t'as dû le sentir passer. Ah merde, il s'est fait arrêter. C'est pas de... Ok, d'accord. Après tout, c'est grâce à ton impuissance que je suis encore en vie. Ça... Je pense que ça va laisser des traces. Tu crois? Regarde le nouveau skin. Il est caché dans une boîte. À mon avis, ça va laisser des traces. Bon, essayons de relancer ce truc. Dégagez! Attends! Putain! J'étais plus dans les vapes! Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Alors c'est tout. C'est tout ce qui reste. À peine 20 survivants. Oui, c'est pour ça. Des blés, encore les ruines. Tu peux. J'ai vu Prolet. Cross, il... Il l'a tué.
Il a tué ma mère. Je sais pas comment. Mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité... J'y ai jamais vraiment cru. Eh ben si. Et on doit y faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers, aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers, des rapports. Et ils les gardaient dans le Presidio. QG des Rangers ? Malade. Y a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Oh merde. Mais ouais, t'as raison. Allez, on continue, on va avancer un peu, voir ce qui se passe. Les glissades sont sympas. Par contre, faut que je m'habitue à la sensibilité, par contre. Que même en réduisant un cheveu à la sensibilité, ça bouge. Hein. Ça. J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien, Prolet. Caporal Walker. Je suis venu chercher des infos sur Ma. Sur le sergent d'unité de Ranger Ervin Aprolet. Très bien. Protocole de sécurité désactivé. Walker, si tu vois ce message, ça veut dire qu'on a subi une attaque d'une ampleur jamais vue. Je suis sûrement morte. Eva Lane doit être en ruine. Ça veut dire aussi que tu es le dernier Ranger en vie. Que l'autorité est en retour. C'est mieux mieux. Voyons quel genre de surprise tu me réservais, ce problème. Les arches sont extrêmement importantes et peuvent contenir aussi bien des armes archéennes que des capacités nanotrites. Cherchez-les dans le Westland pour gagner en puissance. Approche de l'arche. Faites face à la porte, appuyez sur votre focus LB pour ouvrir. Ok. Veuillez approcher du scanner de sécurité. Scanner de sécurité terminé. Bah là, il y a deux secondes, là, j'ai activé mon pouvoir là, avec LR1. Oh, c'est psychédélique dans tous les sens. À mon avis, je vais mettre mes lunettes, parce que ça... Waouh, ça déglingue des trucs. Juste mettre ma main là-dedans et croiser les doigts. En gros, ouais. Attention les yeux. Ouais. Bon, je mettrai après. Bienvenue dans la salle de simulation. Ici, vous pourrez vous entraîner à utiliser vos armes de l'arche et vos idées intronisation. Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation Ruée. Grâce à elle, vous pourrez esquiver les attaques vous ciblant et serez plus difficile à toucher. Merde.
Ça, c'est tellement rapide que j'ai le temps de l'esquiver à pied en fait. Et dans ce que t'as pu voir, Mimu, ça a l'air bien le reste ou pas? Le rendu, je veux dire. Fallait vraiment que ça me bouffe le bras? Reviens dans le hall principal. J'ai d'autres informations pour toi. Recevoir des ordres de ma tante morte, c'est quand même bizarre. Bah déjà le premier il était assez rétro aussi hein, donc le premier c'est plus il ressemblait beaucoup au premier Borderlands mais sans le côté loot. Dans le premier t'as le Borderlands c'est du lootage en méga lootage quoi. Et Rage c'est vraiment tu prenais les armes qu'on avait dans le jeu quoi, donc ça évoluait un peu à la Doom mais dans le monde de Borderlands. Lui. T'as lui, ils ont pas choisi les meilleures photos, hein. Ils auraient vraiment dû pas m'aider. Un petit peu, ouais. Un petit côté, ouais, un peu Mad Max, peut-être. Un mélange entre Mad Max et peut-être Trigun aussi. Le fait que toi, tu viennes d'un autre univers. Toi, un côté très post-apo, toi. Pensez me balancer tout ça comme ça et disparaître, hein? Tant de problèmes? Bon, bah je suppose que c'est à moi de jouer maintenant. Billy, je dois trouver trois personnes. John Marshall, le docteur Gvasir et Louza Magar. Ils font tous partie du plan élaboré pour arrêter l'autorité, le projet DAG. Ok, c'est costaud comme commande. Ouais, même depuis l'au-delà, ta mère déconne pas. Trop tôt, Walker. Désolée, Lily. Mais bon, je suis prête à explorer le Westland. Je crois que j'ai pile... Les blocs menu véhicule, bah ok. Errer en toute liberté. Bienvenue dans Westland. Vous pouvez... Ok. Eh ben, regardez un peu qui voilà. Ah, c'est Mimu. Je suis Phoenix. Je suis belle et je sais conduire. Et si on allait faire un tour, toi et moi? Sérieusement, c'est la voiture qui parle? Non. Si, je suis belle et je sais conduire. Si tu veux qu'on aille faire un tour. En tout cas, c'est joli. La route est barrée et pas par les maillots. Oh. C'est une embuscade, c'est sûr. Ouais. Essaie de débloquer ce truc. Ah.
Bon bah je crois que c'est bon. Pourquoi? Oh mais non je tire pas. Rafale par deux par deux balles. D'accord. Si je vise pas, c'est tire deux balles par deux balles. Ok. Et quoi là? Tac 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 tac. Oh. Ok. Tu me files des frics dès le début de la game. Ok, vas-y, profite, remplis-moi les caisses. C'est quoi ça, c'est munitions? Ok. D'accord, donc il y aurait des caisses et tout dans le genre. Par contre, Le problème, c'est comme j'ai pété un peu tout ça, j'ai peur. Comment je fais pour avoir accès de l'autre côté là? Comment je fais pour remonter tout ça? Je vais monter par là peut-être, on va y voir. Oh! Du fric et du fric, ok. Moteur à faire vite, ok. En tout cas j'adore le côté très coloré et tout ça, c'est le genre de truc... je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait Let's Play sur Far Cry New Dawn, j'adorais ce truc quoi. Marche sur la planche. Oui, là où ça a sauté tout à l'heure. Ah. Ok, donc on a des petites quêtes annexes de ce style-là. Bon, bah nickel. Ok. Complète. Alors. Oula, par contre, petit ralentissement dans le changement des trucs. Projet. Donc j'ai 3 points en plus. Multiplicateur d'overdrive débloqué. Ok. Chargeur plein d'overdrive. Projection de trajectoire. Extension du véhicule. Permet d'entreposer d'autres véhicules que ceux de l'arche. Ok. Surfait les barrages. La voie est libre. Ouais, l'alliance. Oh, 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 oh. La sensibilité, j'ai encore un peu de mal, mais ça va venir à la longue. On dirait pas de dégâts de chute pour les petits sauts comme ça, déjà. Pied au plancher, Walker. Ah, j'ai entendu pied au plancher, mon cœur, mais en fait, pied au plancher, Walker. C'est pas du tout pareil. Ouais! Il manque juste, faut juste que je fasse les médailles, la médaille d'un an. J'ai réussi à trouver une médaille des 9 mois, mais il manque la médaille d'un an. D'accord, je tire comme ça, ok. On approche pas trop peut-être. Bonne chance. D'accord, et ça je ramène, ok, d'accord. Quoi, c'est 300 mètres là? Y'a un truc pas loin. Aïe! Non! Calme-toi! Walker, écoute-moi. On va bien voir le maire Louzen, pas vrai? Mode veille. Activé. Et merde. Faut pas être aussi simple. Et. Musique. Go!
Faut faire un petit ovalarde. Ok, mais c'est plutôt tout seul. On a encore qui veut casser les couilles ou c'est bon? Regardez, bon. Quelle musique ça a été net direct. Ouvre-toi, porte des esprits. Non, ça c'est Fairy Tail, ça. Bienvenue dans l'arche 4161. Alors, un nouveau pouvoir, ça va être quoi? Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation destruction. Ça s'appelle destruction, ça peut l'air. Ah, c'est une onde de choc en fait. Ok. Encore. Bon, c'est pas... voilà. Je pense que... à mon avis, il va peut-être augmenter la puissance après. C'est vrai quoi. Ok, pas de soucis, photo. Ok, donc en fait, en chargeant, ça pète l'armure du mec. Bon, oh, un pouvoir de plus. Un. Ça, six fiches. Combien de timer? Success, peut-être. Je suis grand, je sais faire. 26-41, c'est bon, attends. Est-ce que tu veux commencer à faire chauffer? J'ai une de ces flemmes. Ah, mais c'est le vieux, tiens. Ah, encore 3 points. Ah, tiens. Hey, cette arche débordée de matos incroyable. Ouais, je sais. Je suis complètement jalouse, là. Alors, te la pète pas trop, tu veux? Ah, oh, je crois que j'ai vu que la porte est ouverte. Mais il y a du monde. Je pète aussi. Je n'ai jamais été seul, c'est ça? Oh! Il y a un mannequin? Le véhicule, par contre. Ah d'accord, derrière en fait, ça lâche des flammes derrière. Alors, j'ai maintenu pour quitter le véhicule, mais il a pas voulu. Non, c'est pas Foufroda, non. Foufroda. C'est Skyrim, c'est l'hurlement qui a envoyé les géants en l'air. Non, c'est pas comme ça, c'est... Nope.
Mais c'est Queen Carty. Queen Carty pour ton follow. Merci beaucoup l'ami. Bienvenue parmi les membres de la meute. Tac, on a quoi de beau là? Ça c'est bon. Et où est-ce qu'il reste? Il reste quoi? On a pas récap? C'est récap. Coffre arcain. Oh, il reste un coffre arcain dans là où je suis et trois coffres normales. Ok. Ouais. Ah, bah tiens, c'est ça le coffre arcain. Attends, ça va être facile à repérer quand même. Amélioration de capacité. Oh, ouais, ce que j'ai, on peut améliorer les capacités. Je me demande où ils vont être les coffres roses. Ah bah tiens, il y en a deux là. Bah tu vois. Ça va et toi? Moi ça va, ça va. Attends, on découvre, on est en pleine découverte sur Rage 2. Donc on voit un peu ce que ça donne. Il nous manque un container encore. Nanorite. Ok. Les dégâts de destruction, c'est à 125%. Ok. Et on a quoi? Constitution. Protection contre les balles niveau nominal. Les protections contre les balles de 10%. Ok, donc ça, ça doit augmenter ta... Ça doit augmenter la défense, à mon avis. Focus. Permet de surbrillance et cible. Ok, augmentation de la taille. Overdrive. Ah, la santé se régénère pendant l'overdrive. J'ai pas vu ça. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais monter peut-être ma défense en premier, parce que j'ai tendance à m'en prendre plein la gueule. Le temps de recharge est réduit de 25 à 20. Ok, là c'est quoi? La régénération de la santé issue de ramassage de flétrite augmente de 20%. Les dégâts issus des explosions et des coups cross diminuent de 20%. Bah tiens, hop, on va acheter ça. Donc on sait quand même par se protéger au maximum possible. Ah, les cristaux permettent aussi d'améliorer les armes. Ok, ça c'est cool à savoir. Il y aurait des fusils à pompe, lance-roquettes, fléchettes, un revolver, un hypercanon, un canon à impulsion. Ça donne envie. Voilà, comme ça on a acheté tous les trucs de Lilith. Merde. Le petit coup de ralentissement là dans les menus, c'est un peu con par contre. Donc les basiques, on les a tous. Ça c'est bon. Ici on a quoi? Rang 1 verrouillé, ok. Rang 1 verrouillé, ok. Rang 1 verrouillé, ok. Bon, bah, ça n'y a pas encore accès. À mon avis, il faut qu'on les rencontre. Je suis un pote de Darley, il m'a conseillé ta chaîne. Bah merci beaucoup. On remerciera Darley dès qu'il sortira de son boulot. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Il a fini là le boulot 19h, il finit ses boulots, donc là de toute façon, bah, de toute façon tu verras de Queen, il va venir jouer avec nous de toute façon dans même pas une heure. Parce qu'on fait, on va faire du Sea of Thieves ensemble et après du petit Borderlands, donc Ah, vous allez refaire du Sea of Thieves? Ouais. Ouais, on va avancer la fable, la quatrième fable. Vous l'avez pas fait aujourd'hui? Non, non, il bossait, bah non, il travaillait aujourd'hui. Ah, il est là, putain, j'ai vu. J'ai repéré le dernier. Il était planqué ce bâtard. Ah, putain, il a pas sauté. Foulorama! C'est bon. Ok, 140 cristaux de plus. C'est bon. Bah normalement ici on a tout fini. Je vérifie quand même pour pas... C'est bon, on a tout. Activation des systèmes. En fait, il n'y a pas eu, mais en fait, t'as vu, t'as deux Gatling à l'avant du véhicule. Oui. J'ai pas vu de RV. Gauche, droite, tout ça. Wow. C'est explosé. Je tue un ennemi qui essaie de tuer un autre ennemi. Ok.
En gros, j'ai interféré entre les deux, quoi. Oh, what? C'est quoi ce truc? Il y a un genre de grosse tour dressée juste là. Il y a écrit autorité dessus. Ça m'a tout l'air d'une tour de surveillance. Les restes de la guerre. Elle tire sur tout ce qui les approche de trop près. Alors fais attention si t'y vas. Si le phénix subit des dégâts critiques, vous devez sortir et réparer en avant. Ok. Besoin de faire une sieste. Reviens vite me voir, Walker. Ok. Je me prends des décharges en plus. Lancement des réparations manuelles sur le capot. Je suis juste... Oh, j'ai évité. Bim. Bim. Ah, mon dernier, tiens. Quand on parlait du loup. Toi, quand on parlait du loup. Toi, je suis disais qu'il allait venir bientôt. Et t'es mon petit dernier, j'ai mis tes trucs. Par contre, il faut que tu regardes ton... Ton Discord, je t'ai mis envoyé un petit message, poteau. Génial. On y trouve généralement de précieuses technologies. Récupère tout ce que tu peux. Et le petit côté psychédélique du symbole du crâne en bas. Excellent. L'overdrive est sympa, je trouve. Donc, attends. Lancement des réparations manuelles. Ça se répare. Ah, c'est contrôle technique. Attends-moi. Marchand errant. Pouvant être trouvé sur les routes de Westland, les marchands errants offrent une large variété de biens que vous pouvez acheter. Vous pouvez aussi vendre votre Camelot. Klaxonner vers le pour que le marchand ouvre. S'arrête. Intégrité partiellement restaurée. Système en récupération. Bon, voilà, Walker. Plus en forme que jamais. Bonne chance. Oh, la tête. Il file quoi? On a quoi? Ok. Vous avez honneur à Walker. On doit vraiment parler comme ça? Mais évidemment. Ainsi, nous mettons fort en avant notre qualité et... Pour cette raison, je représente le seul marchand à votre compte. Mes produits sont... Dans ce cas, permettez-moi de considérer vos vendredis. Avec plaisir. J'ai en ma possession quelque chose qui attirera votre regard. Ces plans expliquent comment fabriquer puis améliorer les infusions à l'aide de composants trouvés sur le chemin. 1500 pièces. Inventaire, on va ouvrir. C'est Vincent. Bah, pour l'instant l'histoire, je peux pas trop t'en parler parce que je suis vraiment encore au début, hein, je découvre encore. Mais honnêtement, pour l'instant, de ce que j'ai pu commencer à jouer, ouais, elle est vraiment sympa. J'ai le tonton Mio qui est sur live, qui a vu un mec faire un live un peu plus loin, on va dire, dans le jeu. Et honnêtement, il m'a dit que c'était vraiment pas mal, qu'il y avait une belle avancée du jeu, donc... Activation des systèmes. Moi, je suis encore tout début, là, poteau, donc je peux vraiment t'en parler. Pour l'instant, le seul truc que je sais, c'est que tu te fais attaquer dans ta base dès le début du jeu,
que ta tante meurt, tu deviens le dernier ranger de Westland et grosso modo tu dois te démerder. Pour faire court. C'est très court alors. Bah oui. Il y a un truc là. Là on se balade un petit peu, on est parti en découverte. Ça doit être au-dessus je pense. Oui, il y a un ballon. Moi, ce véhicule me fait peu penser au véhicule dans Mass Effect Andromeda. Le petit véhicule qui permettait de monter et tout sur les hauteurs. Qu'est-ce que tu racontes de bois par ça mon petit, Darley? Je suis peut-être pas... Ok. J'ai pris une bosse et j'ai atterri dans un repère bandit. Les repères bandits sont des forteresses remplies d'ennemis. Éliminez tous. Sans déconner. Non. Pas le temps. Non. Il y a beaucoup trop de monde. Dis coup de crosse qui calme un peu. Mais c'est derrière pour toi, c'est... Hop, oh, capte-toi. Touché, sale bait. Ça encore, t'as de la marge de munitions, tu trouves facilement quand tu butes des mecs, ils t'en lâchent aussi facilement. Moi, ça c'est cool. Ça permet de pas casser l'action, tu sais. Je pense qu'il est chevaux, c'est plus avec lui qui reste. Ah oui. Oh, il y a deux coffres archéens. C'est pas 4 badges qu'il te fallait. En fait, il y a le badge de base, premier mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Donc ça fait 5 avec cette base. En fait, j'ai pas calculé cette base. C'est pour ça en fait qu'il y a un décalage. La dernière fois, entre 9 et le 12 mois, c'est qu'en fait, il y en a un qui manquait. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mis l'émeraude aux 9 mois. Et on va en faire un spécial pour ceux qui font 1 an. Il faudrait qu'il y en ait un genre... comment dire ?
c'est genre un doré, tu sais, genre ça va faire des petites lumières ou genre des petits éclairs dessus, toi en mode Super Saiyan, toi, un truc comme ça quoi. Un truc qui rend un peu, ou genre un violet foncé mais avec des, genre une aura de, autour. Tout ce que je veux dire, pas. Hein, qui pète vraiment de sa mode, bah, tu sais, énergie max quoi. Double tête. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mecs encore. Bon, vu qu'ils n'ont pas prévenu de m'emmerder, je vais commencer à fouiller, voir. Sauf si je trouve pas ces coffres. Non mais c'est moi qui ai zappé Proto, parce que même moi en fait de base, c'est pour ça que Mimu, quand elle avait pris son truc des 9 mois et qu'il avait passé ses 9 mois, son badge n'avait pas changé jusqu'à 1 an en fait. Bah c'est ça, parce qu'en fait il y en a un que j'ai zappé dans le temps. Quand j'ai regardé, il y en a un qui était pas équipé, qui en avait pas. Il avait rien dessus. Par contre après pour aller au-dessus de, donc pour les 2 ans, faut absolument être partenaire. On veut pas avoir de badge en au-dessus après. Ça me brûle, ça. Oui. C'est vrai. Ça me brûle. Mmh. Oh, non, mais à mon avis, c'est avec les cachets que je prends et tout. Ça... En même temps, est-ce que t'as pris assez de pluie? Ouais. Non, mais même pas. À mon avis, c'est pas parce que j'ai eu l'habitude d'en prendre plus que ça, donc. Oui, mais ça fait un moment que t'as pas pris autant de médicaments. Oui, pas faux. Et parce que t'as rien mangé aujourd'hui aussi. Pas faux. Mais donc, moi, j'ai des cachets. Donc... Grenade, ça c'est bon. Ah oh, mais c'est horrible. De quoi? La flemme que j'ai. Bouge ton cul ou tu rentres chez ta mère. T'as plus la flemme. T'en fais une proposition pour gentil, ça allait tout seul. Oh, merci. Un petit coffre pour moi. Mode de structure d'armes. Putain, comme il vénère le mec tout seul, mon dieu. T'es à toi. Tu sais comme ça explose. Une caisse par là. Alors, un truc des armes, on va voir ce qu'il y a. Donc j'ai le choix entre capacité du chargeur ou accélérabilité de rechargement. Je peux peut-être prendre les deux, si je peux. Ah, c'est l'un ou l'autre, ok. Pas le choix entre... Ouais, d'accord. Hop, et le premier, j'ai assez. Ouais, j'ai assez. Capacité du chargeur, rechargement. Peut-être un rechargement plus rapide pour celui-là. Comme ça, je pourrais utiliser plus rapidement. J'ai eu plus de balles. Bonus de neurite, pas mal. Ça, c'est fichu. Donc les deux coffres, je les ai. Bloc de je les ai. Mon crâne, donc les trois derniers coffres violets.
qui doit être à mon avis de l'autre côté. À part s'il y a des trucs que je n'aurais pas vu, mais je ne pense pas. Là, j'y suis allé déjà. Voilà. Oh, mais j'ai l'impression d'avoir vidé la zone. Où vont être les deux derniers coffres par contre? C'est la question. Où est-ce qu'ils vont être planqués ces sabris? En fait, il est bien ou pas? Il est pas mal, ouais. Après, tu sais, je suis pas... Yoshi, je parle. Oui, je sais. Ah. Tu parlais quoi? Non, je pensais que t'aurais pu regarder. Pas comme moi, je t'aurais pas compris quoi. Non. Tu parlais de ce jeu, ça? T'as vu que je parlais de celui-là? Bon, au cas où, je parlais quand même. Non, il est pas mal, mais quoi, comme je te disais, tu sais que je suis pas quelqu'un qui, quand je joue au jeu, je me lasse au bout d'un moment, mais c'est de base. Mais il est pas mal. T'as pas intérêt à me dire que tu te lasses déjà, ça m'énerve. Non. C'est pas question du jeu et dont je me lasse. C'est que je suis fatiguée déjà. Donc si je continue, je serai capable de m'endormir dehors. Mais franchement, il est pas mal, ouais. Faut qu'on essaye tous les deux aussi. On peut jouer à deux. Ah, bon, là. Ah. T'es obligé de me mettre sous toi? C'est pour me rappeler. J'ai toujours mis dessous en général. J'ai toujours là ou là, ou sur la cuisse. Ou à côté. Bah c'est rare sur le côté. Non, si, c'est vrai. Alors, recherche de l'arche perdue. Et bah, pour ceux qui regarderont donc l'extrait du live sur YouTube, et ben bah, on fait un petit cut là. Et pour les autres, on reprend tout de suite.